Hey, salut tout le monde, c'est Lexuki et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Sword Art Online Fatal Blade. Donc, la dernière fois, on avait fait nos premiers combats et en off, j'en ai profité pour farmer un petit peu, mais genre bien. C'est-à-dire que j'ai refait une sortie dans le désert, je ne sais plus comment il s'appelle le désert. Et du coup, j'ai farmé pas mal de mobs. Je suis revenu avec 135 kills. Pas mal de choses, j'ai eu pas mal de primes. Et du coup, est-ce que je peux voir quelque part mon argent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sauf si carte d'utilisateur peut-être voir. Oui, voilà, j'ai 101 000. J'ai 101 000, donc plutôt bien. Moi et Alpha Wives, on est niveau 12. Genre, je suis tombé sur des ennemis niveau 48, 28, des trucs comme ça. Et ça va, franchement, on peut les gérer. Même à bas niveau, on peut les gérer. Genre niveau 6, j'arrivais à les tuer. Le seul souci, c'est que des fois, ils sont très, très résistants. Et genre mes armes, il y a un ennemi, j'ai mis 10 minutes à l'affronter. Peut-être même un quart d'heure. Donc c'était long, c'était long. Et c'était le niveau 48, le niveau 28, je veux dire. Niveau 48 était plus facile, je ne sais pas pourquoi, mais il était plus facile. Et ce genre d'ennemis, genre quand on les bat, ils rapportent plus de 10 000 XP. Je crois qu'il y en a, le niveau 28 m'a rapporté 12 000 XP, l'autre, ça devait être 25 000, un truc comme ça. Donc, autant, voilà, ça nous a rapporté pas mal de choses. Sinon, si je vais dans les quêtes, bien sûr, j'ai récupéré quelques quêtes. Bon, ça, j'arrive pas à les trouver. Mais voilà. Tout ça, c'est fait. Nouveau, voilà. Dans la personnalisation des personnages. Donc, dans mon état, j'ai augmenté un petit peu certaines stats. En fait, tout. J'ai un petit peu tout augmenté. La force et la dextérité, ça va nous servir à utiliser des armes plus lourdes. Et du coup, je me suis mis un fusil d'assaut en deuxième arme que j'ai loot. Genre, j'ai rien acheté pour l'instant. J'ai que loot des objets. Ils sont pas très rares. C'est des objets assez communs, mais voilà, pour le début, ça va être assez cool. L'endurance, c'est vraiment voilà, pour augmenter mes PV, la défense, la résistance aux altérations d'état, comme on peut le voir en bas. L'intelligence, bon, c'est voilà, il y a certaines compétences qui nécessitent de l'intelligence, donc j'en mets. L'agilité, c'est pour aller plus vite. Et le charisme, voilà, pour augmenter mes taux de butin. Je fais pareil avec Alpha Wives. Si je vais dans son état, voilà, je vais augmenter un petit peu ses stats. Repartons sur moi. Les compétences, j'ai rien pris de plus par rapport à la dernière fois, à part forme rapide qui me permet d'avoir temporairement plus de vitesse. Donc ça peut être cool, je sais maintenant comment se servir des compétences. Les gadgets, j'en ai toujours pas acheté. L'équipement, du coup, je suis toujours sur un petit pistolet automatique. Il n'y a pas un comparé, détail. Ah, voilà. Donc sur ce pistolet automatique qu'on avait sur la première mission, et un FA, un fusil d'assaut de type Midou, voilà. Bon, on peut éventuellement utiliser ça, il y a pas mal de puces mémoire dessus, hein, dégâts contre les humanoïdes, plus 1,8%, munitions obtenues, machin. Bon, fait 58 de dégâts, il y a une capacité de munitions de 50, je sais pas si... je ne sais pas si munitions... Je sais pas si j'ai des munitions de ça. On ira voir. Sinon, je pense que c'est tout. Ah oui, les objets. Attendez. Non, toujours dans l'équipement. Donc, il y a les deux armes. Bon, il y a la tenue, mais bon, Osef. Genre, j'ai que ça. Les accessoires permettent d'avoir un petit peu plus de bonus. Bon, le cache-œil, je veux pas le montrer puisque sur mon personnage, puisque c'est genre moche. Mais le cache-œil permet d'avoir une défense contre les machines de plus de 5%. C'est déjà assez cool. Et par contre, l'anneau de promesse, c'est un objet épique. C'est un objet épique, les autres, voilà, ordinaires, insolites, éventuellement rares. Mais là, j'ai un objet épique qui me donne 5 d'endurance, plus 5% de PV max et 10% de résistance à la suppression. Je ne sais pas ce que c'est la résistance à la suppression, mais c'est cool. Et c'est à peu près tout. Je ne peux pas voir mon inventaire. Bon, Alpha Wipes, du coup, c'est à peu près la même chose. Je peux pas voir mon inventaire, il faut que je sois autre part. Mais sinon, j'ai pas mal d'objets à convertir. Enfin, à mon avis, enfin, à convertir, c'est genre des trucs non identifiés. Il faut aller dans certains endroits, je pense, pour les savoir. Je vais juste regarder, acheter. Ah, ben... Ah oui, tout ça, c'est ordinaire. Masque à gaz et tout, 105 000, il n'y a aucune puce dessus, mais c'est juste de... Voilà. J'ai besoin de munitions. Et cartouches, balles de fusil d'assaut, ça coûte 2000 plus 200.
Et j'en ai 400. Ok, bon. Allez, on va en prendre 1000. Bon, on va prendre ça. Ah oui, j'ai 219 000 crédits. Acheté, oui. C'est tout. Hein. C'est quoi la différence? Pack d'énergie. Oh, pack d'énergie, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et vendre. Je pense que j'ai pas mal de choses à vendre si je veux, mais je garde tout ça. Genre, j'ai plein d'armes. Ah oui, j'ai voilà, des fusils d'assaut non identifiés. Il y en a un qui est épique. Ici. Genre, une puce de déverrouillage épique. Pas mal de choses. Attendez. Armes. Ouais, j'ai un seul fusil d'assaut épique. Faut que je trouve le moyen de... De toute façon, je pense qu'ils me le montreront après. Mais le moyen de d'identifier les objets non identifiés, justement. Allez. It's okay. 君たち今日は買い出しかな?いや、これ履く。この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう?また君に会いたいと思ってたんだ。あ、お目当てはアファシスですか? こんにちは。 どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1の頑張りに育てますから、ご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだから。 その影響を受けているのかな。で、話なんだけど。いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない?エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。 わかった。ついてないな。まあ、もともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくりじゃ。あんた、いつの間に月さんと仲良くなったの?友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから。 何かあったら一番に話してよね? Toujours ce temps de chargement en plein milieu de plein milieu d'un dialogue qu'on ne comprend pas du coup. Retourner dans la chambre de Kirito. Bon, bah, on va y retourner. Sinon, niveau remplette, je pense qu'on est bon. Ouais, on est bon, on peut y aller. Où aller? À la chambre de Kirito. Ah, je me suis enlevé trop tôt. Objet flasque, substance flasque laissée par les vers et demi. Ah oui, c'est impressionnant ça. SBC Flugel が解放されたら 俺たちと一緒に攻略しないか? Pourquoi non? Mais je veux. À mon avis, bon, je vais dire ça, mais genre c'est pas vrai. フリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど。でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。 クレハさんだって十分強いじゃない。一番の利を狙わなくていいの?それもしたいけど、私は付き合い長いから。GGOに呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。<笑>いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。 誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない。
みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさかあんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないじゃない。だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスもシンフィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイトです、マスター。 Je vais casser la baraque. Et 3000 crédits pour avoir discuté, c'est toujours bien ça, franchement. C'est toujours cool. Sauvegarde. Bon, il n'y a que des sauvegardes auto dans ce jeu. Bon, après, j'ai juste à rentrer chez moi ou à sortir de chez moi pour qu'il y ait une sauvegarde auto et comme ça c'est sauvegardé, mais bon. En soi, je me suis déjà bien préparé, on peut y aller. Où aller? Le SBC Glauken. Bah du coup, il faut aller où? Il faut aller où maintenant? J'aurais dû parler à Alpha Wives. Ouais. Bon, c'est pas grave. Goliath plus plus mitrailleuse dotée de pas moins de 6 canons encombrant. Je ne sais plus quoi. Ouais. Ah! なったら大変ですよ。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして、私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、GGO 中で注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ、アファシス。特にタイプ X の仕様は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。Je n'aurais jamais cru qu'il se perdrait. 本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。さらに戦闘だけじゃなく、マスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実は SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に？これはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく
性能面から言ってもビジュアル面から言っても GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんてよほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。J'en assurerai la protection de mon mieux. 素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。私はツェリスカ。よろしくね。そうそう。あなたのアファシス。さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ、今後も情報交換をさせてください。もちろんです。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら？マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの。よろしくねレイちゃん。よろしくお願いしますレイちゃん。いいわね、アファシスが2人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに性格は随分違うみたい。何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。C'est mignon, hein? マスターが個性を肯定してくれるから、この子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いたときは心配したけれど。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない。今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね。レイちゃん。Alors, qu'est-ce que tu fais?Alexuki, hey, Alexuki, tu es là, c'est Korea. J'ai une question à te poser, je t'attends dans ta chambre. Rejoins-moi vite. Nice. Elle a une question à me poser dans ma chambre. Où aller? Dans ma chambre. Je viens juste d'en sortir, mais... Bon, encore une fois, eh ben, faut que j'y retourne. Hein. que voulez-vous? Master, とっておきの情報をお伝えします。アファシス、つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。偉いでしょう。Laisse-moi te tapoter la tête. ありがとうございますマスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので強化しないと鍵になれないのです。それってどういうこと？私の機能は現在完璧ではありません。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の衝撃でフィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。あ、そういう話だったんだ。その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたのでパーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ私はヘナチョコのままです。マスター、パーツを集めていただけないでしょうか？強化すればミサイルを発射できるようになったり、爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。ça me semble pas mal pour gagner des niveaux。ぜひお願いします。私が強くなればもっとお役に立てるようになりますから。Ouais, ce serait cool qu'elle se transforme en char, ouais. Motto, ne? Master, mo taihen, ne? Pièce d'Arphasis. Arphasystem. Alors, du coup, battez le boss de zone du centre de contrôle du désert de ruines. Oh, oh, un boss. Let's go. Où aller? Le SBC Glocken. Oh, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. On peut le faire. On peut le faire.Au moins commencer. Et s'arrêter devant la salle du boss. Éventuellement. Éventuellement. On va prendre quelques quêtes.
Comme ça, bon, ça fera un petit peu d'argent. Bon, éventuellement, quelques loot. On va aller là-bas. Allez, va plus vite. Va plus vite, Alex Yuki. On va prendre ce téléporteur, il est beaucoup plus proche. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un bug pour l'instant sur le jeu. C'est que quand on se téléporte, quand on fait la téléportation rapide, le hall. Je vais d'abord aller dans le hall. Quand on fait la téléportation rapide, pas celle-là, mais quand on fait via la carte, les chargements sont longs. Mais vraiment longs. Genre, il y en a un qui a duré 5-6 minutes. Et c'est beaucoup trop long. Alors que là, bon, voilà, en même pas une minute, c'est bon. Du coup. Yo, tout le monde. Pas ici, c'est pas ça que je voulais faire. C'est là. Scarabée piquant. Bon, on récupère tout ça. Hein. On peut en prendre autant qu'on veut. Ensuite, c'est tout. J'ai pas besoin d'acheter d'autres choses. Désert des ruines. Let's go dans le désert des ruines. Dans mon escouade. Je pense qu'on appelle ça l'escouade dans mon équipe, on va dire. Bon. Du coup, j'ai... Sinon. Alpha 6. Enfin, Alpha Vibes. Et... Kuroya. Voilà. Alors. Du coup, on va tester mon fusil d'assaut. Ok. C'est la première fois que j'utilise. Non, toujours pas ça. Hop. Bon, ok, c'est pas dégueu. Hop, on recharge. Lui, il est mort. Bon. C'est bien sympa tout ça. Sinon, on peut utiliser les compétences que je cache. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de voir les compétences? Je ne sais pas. On peut avoir la ruée offensive. Il me faut un ennemi d'abord. Ouais, on va y aller comme ça. Hop. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, je me déplace à ce qui paraît plus vite. Mais je ne suis pas sûr. Hop, voilà. On a une charge comme ça qui permet de mettre des dégâts. Hop, et hop. Bon, ça c'est... Tout ça, c'est mort. On récupère un cache-œil qui n'a pas l'air rare. Bon. Battez le boss. La zone de contrôle. La zone de contrôle. Où est-ce que ça va être? Oh, oh, salut vous. Salut vous. Voilà, on n'a même pas besoin de viser. Ensuite, ouais, voilà, je voulais faire ça. Centre de contrôle, c'est ce qu'il y a là-bas. Par contre, il y a un ennemi derrière moi. Yo! Yo, toi! Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Non, mais ça se fait défoncer, mais genre, facilement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais il y a encore tout ça! Et c'est quoi ce laser? Ah, mais c'est. C'est Sinon qui fait ça. Voilà. Ça, c'est KO. Et ça. Bientôt. Voilà. Bon. Du coup, ennemi vaincu 5. C'est très bien. On va aller par là-bas. Puisque, si je me souviens bien, c'est dans cette direction-là. Hop. Bien sûr, on essaie de tuer quelques ennemis sur le passage. Ça nous fait de l'XP. Éventuellement, quelques loot, si on a de la chance. Ils sont là, mes potes. Oui, ils sont là. J'avais pas l'impression qu'ils tiraient sur mes ennemis, mais bon. Par contre, la visée nulle d'Alex Yuki. La visée nulle. Je sais pas où est le point faible de ces scorpions. Je crois que c'est les pinces, un truc comme ça. Ah, il y a un drone là. Mince. Bon, je l'ai raté. J'ai pas envie de continuer comme ça. Des scarabées niveau 6. Waouh. Scarabée pique, hein, niveau 6. Voilà. Oh, en fait, un fusil d'assaut, c'est pas mal. Bon, ça fait pas masse dégâts. Enfin, ça fait pas des dégâts excessifs, on va dire. C'est déjà mieux que mon autre arme. Hein. Genre, si on prend ça, on va tester. Là, on faisait 66 de dégâts. Contre lui... Enfin, lui, il est mort. Lui, apparemment, il a pris très cher. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un coffre par là-bas. Attendez, hop. On fait 106, mais ça, c'était dans la tête. est-ce qu'il y a des joueurs ici? Des fois, il y a des joueurs ici. Non, absolument pas. On récupère le coffre. J'ai récupéré un câble robotique commun. Bon, c'est pas ouf. Allons à la salle du boss, du coup. C'est vrai que quand je me baladais, je tombais sur cet endroit. Je me disais, mais pourquoi je peux pas ouvrir? Allez, dans le donjon. On est à combien de temps? Ou alors on ira en milieu de 25 minutes. Allez dans le donjon, ouais. Parce que bon, on va pas passer 5 minutes à faire quelque chose qu'on a déjà fait dans l'épisode précédent. C'est-à-dire aller tuer des mobs. Bon, là, on va tuer des mobs.
pense qu'on ne tombe pas tout de suite sur le boss. Je pense qu'on ne tombe pas tout de suite sur le boss. On va tomber sur quelques bots. Ah. Ok, ça ressemble à ça. Ok, bon, on y va. Moi, je ne perds pas de temps. Attendez. Ah oui, vous voyez, ça fait 27. Hop. 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 Une petite roulade. Et toi, tu te fais défonce. Allez, on recharge. On switch d'arme, puisque le fusil d'assaut est quand même pas dégueu. Où aller? Où est-ce qu'il faudra... Où est-ce qu'il va falloir aller? Bon, à mon avis... C'est pas ça qu'il faut faire. À mon avis, il faut aller dans les deux salles. Hop, allez, headshot! Headshot, motherfucker! Allez, hop, 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 hop. Il m'est cher, les gars. C'est bon. Vous avez acquis soldat mécanique. Je ne sais pas comment je peux avoir ça, mais bon. Voilà, bon, il n'y a rien ici. On m'a heal. Ok. On peut y aller. Hop. Tiens. Tiens. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, faites diversion. Ouh, ils me mettent tout dans la gueule. Ils me mettent tout dans la gueule, toi. Allez, hop. Hop, ça c'est bon. Oh, il a drop un truc. Lui, il est mort. J'ai eu une mitraillette non identifiée. Encore une fois. Rareté rare, quoi. Voilà. Lui, il est KO aussi. Bon, c'est bon. Là, on a bien géré cela. Oh non, mais la perceuse! Sérieusement. Le samedi matin. On est samedi matin et des gens utilisent leur perceuse. Bouton rouge, est-ce que ça fait quelque chose? Non, absolument pas. J'essaie de parler en permanence pour que vous entendiez pas, mais je pense que vous l'entendez. Mais je pense que vous l'entendez pas beaucoup. Pas fort. Quoi. Hop, allez, dégage. Headshot. Headshot. C'est bon. Par contre, les gars, je suis dans le mal. Je suis dans le mal. Voilà, j'attends vos soins. Là, c'est ouvert. Et je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Il n'y a pas de loot? Non. Les gars, si vous pouvez me soigner... Ah, merci. Enfin... Please. Régénération de PV, effet activé. Ok, merci, je préfère ça. Voilà, je suis mid-life, je suis assez content. On récupère ça, je crois que c'est des munitions. Oh, 67 munitions, ouais, c'est pas ouf. Actionné. Ok, et ça c'est quoi ça? C'est juste un élément du décor ou... Non. Je sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas taper. Non. Hop, hop. Non, bon. On reprend ça et on va se téléporter. On a encore un petit peu de temps. Ouais, je pense qu'il va falloir faire l'autre côté et comme ça on aura accès au milieu. Hop. Hop. Ouh là 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 là. Allez-y. Je ne vois rien. C'est bon, lui il est mort. Oh, on a acquis une drac, El Sirocco. Il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre? On ne sait jamais, il peut y avoir des coffres. Non. Hop. 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 Hop, hop, hop. Les gars, help me. On va déjà détruire ce truc, voilà. Ça loot quelque chose en rouge. Lui, il est mort aussi. Hop, hop, hop. Je t'avais pas vu, toi. Je t'avais pas vu. Ah, il y a encore envie, c'est bon. Hop, on monte ici. Non, je crois que ça a disparu. Ah non, j'ai eu un Sirius. Bon, en rouge, je crois que c'est genre peu commun. Peu commun, donc c'est pas nouveau, peu importe. Voilà, 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 voilà. Les gars, les gars. Voilà. Et encore la perceuse. Bien sûr, c'est assez chiant comme ça. Un coffre ici, collecté. On a eu une pièce de machine cassée. Voilà, on monte ici. Oh là là, ce jeu est cool. Franchement, je suis sous le charme. Je suis vraiment sous le charme. Oh là, oh là 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 là. Ça va être les fameux drones explosifs, ça. Les gars, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hop, voilà, ça c'est bon. Je ne sais pas ce que c'est, ces boîtes rouges. J'ai l'impression que ça sert peut-être à quelque chose, mais c'est peut-être juste du décor.
Et ça ressort vraiment du paysage, donc... Bon. Y a pas d'objet ici? Là, derrière ça, là. Bien sûr, il y avait un coffre ici, collecté. Ouais, j'ai acquis un béret peu commun. Hop, voilà. Oh, ces déplacements rapides et tout. Oh, c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, faut descendre. Il n'y a rien d'autre. Allez, on entre ici. Toujours cette boîte rouge. On récupère des munitions. Collectées. Bon, juste 67 balles. Hein. Et on va actionner. Et la perceuse est revenue. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. On affrontera ce boss au prochain épisode. Et on espère qu'il n'y aura pas cette perceuse au-dessus de moi qui va nous faire du bruit. Allez, sur ce, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez tout le monde.